les garçons. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et mes copains? Et Louis? Ça va bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Vous êtes où aujourd'hui? À King Jouet. Oh, c'est quoi King Jouet? C'est un super magasin de jouets très grand. Royaume, c'est le roi lion. C'est comme le roi lion? Il y a une couronne sur la tête. T'as raison, ça ressemble au roi lion, petit cœur. Jouet. Le roi lion des jouets. Alors effectivement, King Jouet, c'est un grand magasin de jouets. Voilà, on a ici, hop, leur petit logo. Alors c'est un magasin dans lequel on n'est jamais allé pour l'instant. Voilà, donc on le connaît sur internet, mais en vrai, on n'y a jamais mis les pieds. Alors est-ce que vous êtes prêts pour la découverte de King Jouet? Oui. Allez, c'est parti, on rentre chez King Jouet. Alors effectivement, ça a l'air immense. Il y a des maisons, des paniers de baskets. Waouh, il y a plein de choses. Oh, il y a déjà les calendriers de l'Avent, mais on n'a même pas fêté Halloween. On sort de l'été, on reprend l'école et ça y est, on a les calendriers de l'Avent. C'est impressionnant ça. Oh, il y en a des très jolis remarqués. Hein. Waouh, Playmobil. Alors bien sûr, il y a évidemment un rayon Pokémon. Avec... des arènes? Oh, c'est une arène, il y a Pikachu et Bagigan. Enfin, Bagiguan, wow. Je crois. Pour faire des combats. Alors, c'est un petit peu plus encombrant qu'avec Pokémon Go, quand même. Hein. Oui, quand même. Quand même. C'est très grand, vraiment. Hein. La hauteur des rayons. Boing. Ouais, c'est très, très grand. Hein. Je suis pas certaine qu'on ait déjà vu un magasin de jeux aussi grand, nous. Alors, faut dire que nous, on fait les magasins de jouets de Lyon. Hein. C'est vrai. On n'en a pas vu trop ailleurs, pour l'instant. Ah, on va adopter Dory. Alors là, bien sûr, les pluches, l'univers. Oh. Regarde, Swan, il y a un petit mille pattes là. T'as vu? Combien il a de pattes celui-là? Il en a plein. Il en a plein, oui, tout à fait. En hauteur, elle fait la taille de Swan. Elle mesure 1 mètre. Bon, Swan, maintenant, il mesure 1m07, je crois, la dernière fois qu'on a regardé. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Mets-toi sur la petite marche, toi aussi. Voilà. Il y a un tout petit peu plus grand. Swan, regarde. Une nouvelle amie pour toi. Ah, Lady Monster. Excellent. Alors, Swan, on l'adopte? 90 cm. Bon, ça fait une petite sœur. Ça, c'est le nouveau dessin animé qui va sortir au cinéma. Trolls. Ah, regarde, il est parlant celui-là, faut lui appuyer sur le ventre apparemment. Allez, on y va. On sent peut-être le cupcake au saucisson. Le cupcake au saucisson. C'est ça. Elle a des beaux cheveux en tout cas. Hein. Ah. Regarde Néo, Candy Machine, une machine à bonbons. Shopkins, ça ressemble à ta machine à chewing-gum en fait. Oui, c'est vrai. Oh, c'est sympa comme tout. Hein. Apparemment là, on fait tomber des surprises Shopkins. J'ai faim, comme toi. Il dit la même chose que toi, t'as vu? Oui, et aussi... Attends. C'est l'heure du goûter. Encore l'heure du goûter? Mais il pense qu'à manger, ce dragon. Il y a un immense Playmobil. Il est pas plus grand que toi, celui-là, Swan? Oui, parce qu'il est même plus grand que Néo. Waouh! Il est balèze, celui-là, hein, dis donc. Et là encore des Playmobil. Ça me rappelle quand on est allé au parc Playmobil. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé? Quelque chose pour s'occuper d'un chien sur un écran. Oula. Mais c'est pas un vrai chien, hein. T'as bien compris. Hein. Oui. Oui. Tu veux ça, toi? Oui. Petit cœur. On va voir ça. Annie Dog. D'accord. Oui, c'est un petit écran tactile. Je pense que tu dois lui donner à manger, c'est ça? Nouveau graphisme, nouveaux amis, nouvelle génération d'animaux. Tu pourras communiquer avec ton animal pour le rendre heureux et obéissant. Il faut l'entraîner, le promener et prendre soin de lui. Tu veux faire ça? Oui. Oh, tiens, petit chou, si tu veux. Petit bonhomme. Oh. Grand amour avec ce petit chien virtuel là. Il y a un grand garage de voitures pour Swan. Mais Swan, il préfère le petit chien. Il a trouvé son bonheur, lui, c'est bien. T'es pas trop exigeant, ça va, petit cœur. Regarde ce bonhomme bizarre, là. Ah, on peut tirer dessus. Incroyable. On peut l'agrandir jusqu'à 4 fois sa taille. Personnage géant
étirable. Marrant ça. Et les trash packs avec les zombies. Waouh. C'est quoi ces trash packs? Ça c'est une sacrée association hein. Waouh, regarde celui-là. Il est énorme. C'est quoi ce dinosaure? Ah, c'est pour mettre ta main dedans, c'est une marionnette en fait. Ah, les Lego évidemment. On l'avait déjà vu celle-ci. Oui. Souviens? J'aime bien cette boîte parce qu'il y a beaucoup de précision dans la construction. Beaucoup de trophées, des tableaux, ils ont une tasse. Pêche à la ligne. Comme celui que t'as eu pour ton anniversaire. T'as vu ça? Ça monte jusqu'au plafond. La quantité, c'est incroyable. Waouh, vraiment l'embarras du choix ici. Hein. Qu'est-ce que t'as vu, Poussin? Regarde. Ah, c'est Piggy Party. Sois le premier cochon à finir ton repas. On te met un nez de cochon pour jouer. Qu'est-ce que vous faites dans le rayon bébé, là? Alors, effectivement, il y a aussi des vêtements ici. Voilà, des vêtements. Ah, Néo, il y a un rayon 6-14 ans. Regarde, il y a un rayon 6-14 ans aussi. Hein. Oui. C'est pas vraiment pour les très grands. T'es perdu dans le labyrinthe des vêtements? C'est par là la sortie. Vas-y, on te suit. Sur la droite. Je crois que c'est là. Là. Oui, c'est là la droite. Vas-y, petit cœur. Tu es perdu encore? Non, non, on est déjà venu par là. Oh non. C'est là la sortie. Ah yes. J'ai trouvé la sortie. Ouah, on est sauvés. T'as trouvé la sortie du labyrinthe. Les pizzas en bonbons. Celles-là, on les aime trop. Qu'est-ce que t'as vu? Ah! Encore des cartes Pokémon. T'as vu quoi? Oh là! C'est un énorme paquet, ça. Hein. Oui, là, il y a plein de choses. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Swan? Tu es encore perdu dans le labyrinthe? Ah, regarde, Néo, toi qui aimes bien World of Warriors. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu pour les petits, quand même. Hein, là. La panoplie. Ah ouais, il y a un costume. C'est marrant, ça. Hein. Super marrant. Il y en a plein, évidemment. T'es perdu dans le magasin. Sacré Swan. Hein. Lego Scooby-Doo. Des marais, fantômes. Il y a des personnages sympathiques. C'est ce qui se rapproche le plus d'Halloween, c'est vrai. Le plus gentil. Ouais, c'est gentil quand même. Ils n'ont pas fait de gamme Halloween cette année. Bizarre. The Voice, la plus belle voix. C'est un micro pour toi, regarde. Pour Swan The Voice. C'est parfait. The Voice, c'est toi. C'est moi The Voice, petit cœur. Ah bah voilà, c'est parfait ça comme bonnet. Et ça y est, on est sorti du magasin. On a fait la fermeture d'ailleurs. Hein. Alors finalement, qu'est-ce que vous avez acheté? Eh bien moi, j'ai acheté un gros coffret Pokémon avec Station Obi X. Waouh. Attends, c'est un truc énorme ça encore. Hein. Oui, gros machin. Pfiou. Eh ben dis donc, avec tout ça. Et toi, t'as eu ton petit chien. Ton petit chien Annie Dog. T'es content, Poussin? Oui. Oui. Bon, et Néo, est-ce que tu es satisfaite de tes cartes? Ah oui, super content. Bon. Alors, est-ce que vous avez passé un bon moment chez King Jouet? C'était vraiment un super moment. C'était très sympa. Je trouve que le magasin est vraiment très très grand. Oui, il est très grand, puis surtout en hauteur. Hein. Il y a vraiment des articles placés très très haut. Les copains et les copines, est-ce que vous êtes déjà allés à King Jouet? Dites-nous dans les commentaires. Pensez au pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. A bientôt les copains et les copines, bye bye tout le monde. Et voilà, petite photo souvenir avant de partir du magasin. Ça y est, t'es avec nous. Alors King Jouet, pour information, c'est situé à Vaux-en-Velin, voilà, c'est à côté de Lyon, au centre commercial de la Soie. Et c'est très joli, surtout la nuit, regardez, il y a plein de petites lumières. Vraiment, c'est un joli centre commercial, c'est vrai, on n'y va pas souvent, et King Jouet, c'était la première fois qu'on y allait. Et vraiment, ça valait le détour, c'est très beau.